Les groupies, c'est la routine, c'est chiant. Si tu es une groupie, me le dis jamais. Hello, je suis l'homme pâle. Mon vrai nom, c'est Antoine. Mais mon surnom pour les intimes, c'est... Je pense que mes meilleurs potes, ils m'appellent Poulpe. C'était important pour moi d'appeler cet album Janine, car il représentait le symbole de ce que je voulais montrer, de la folie de ma grand-mère et de la folie de ce que je vis en concert et dans ma créativité, etc. Les femmes ont toujours été très importante pour moi. Je suis né le même jour que Jay-Z, mais pas la même année. On me confond souvent avec Romeo Elvis, Bryan Herman, Eminem et Jim Carrey. Étaient mes idoles ultimes quand j'étais ado. Rémi Tavera, alias La Tave, est pour moi le meilleur skater. La cantine de Gaston est le meilleur resto du 13e pour moi. How avec un point d'interrogation, c'est compliqué à dire comme nom, How avec un point d'interrogation. De John Lennon, c'est la chanson que j'aurais aimé écrire. Romeo Elvis est plus qu'un rival pour moi. La scène rap actuelle française est en pleine explosion. Ça casse les codes, on s'amuse de plus en plus. On arrive enfin à être décomplexé là, ça fait plaisir. Mon feat avec Catherine apporte de la légèreté à l'album. Le succès, ça marche plutôt pas mal avec les filles. Hein. Les groupies, c'est la routine, c'est chiant. Ça n'apprend rien. Je ne veux pas savoir. Si tu es une groupie, me le dis jamais. Mon animal totem, ça serait le singe. Voilà, mon interview de True Story est finie. Je pense que j'ai dit au moins 1 million de conneries et zéro chose vraie. Bon, à défaut de ne pas réussir à vous quitter avec mes paroles préférées, je vais vous quitter avec les paroles préférées de Marc Barbier. C'est chaud, ma poule !